le premier TD de traitement et analyse d'image, Donc anciennement appelé traitement et analyse d'image et de la vidéo. Donc pour pour ce semestre, vous avez seulement traitement et analyse d'image. Juste quelques consignes par rapport au déroulement de notre TD et notre TP. Donc on a un TD par semaine et un TP par semaine, donc par groupe. Durant le TD, on va avoir des notions, donc soit des exercices, soit des explications, soit des exposés. Et pour le TP, on va faire de la programmation. Donc pour le TD, des explications, parfois on va avoir recours au cours, donc quelques notions du cours, pour essayer de résoudre les exercices du TD. Et on va essayer d'implémenter ce qu'on fait en TD. Alors, par rapport à vos notes, donc pour le TD, vous aurez, vous aurez soit des exercices à résoudre, soit une interrogation, soit les deux. Pour le TP, vous aurez des travaux, donc des TP à rendre. Excusez-moi, il y a du bruit, je vais juste fermer la fenêtre. Alors, donc pour le TP, ce qu'on va essayer de faire, ça va être des groupes de 4. D'accord? Donc, vous allez travailler en team, en groupe, et vous aurez des TP à rendre entre une fois par semaine et une fois par 15 jours. Donc, ça dépendra de la grandeur de la tâche. Et les explications, donc, vous les aurez durant le TD et aussi durant le TP. Donc, vous aurez des orientations durant le TP. Et à la veille du prochain TP, vous devez envoyer votre TP. Donc, je vous laisse le choix de choisir vos partenaires, donc les équipes de 4. Et on va essayer de garder les mêmes équipes pour tout le semestre. Donc, voilà, ça, c'est par rapport aux consignes. Et donc, on commence donc notre premier TD sur les notions du traitement et analyse d'image. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici, s'il vous plaît, sur le déroulement? Alors, s'il n'y a pas de questions, on passe à notre première séance. Alors, est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Très bien. OK. Donc, je vais essayer de réduire la fenêtre du chat pour voir vos questions en même temps. Je vais réduire. Bien, donc pour commencer à bien notre TD, on aura besoin de comprendre quelques concepts de traitement et analyse d'image. Alors, donc pour cette première partie, on va parler très rapidement sur la formation de l'image, un très bref historique. Donc, normalement, c'est des choses que vous avez déjà fait en cours, mais on va juste faire quelques rappels et rajouter quelques explications. Alors, donc, une image, donc vous avez déjà fait ça, c'est une fonction bidimensionnelle f de x, y. On a deux types d'images, donc on a les images numériques et les images analogiques. Alors, s'il vous plaît, donc une image, c'est une fonction bidimensionnelle f de x, y. Qui peut me dire ce que c'est que x, y et ce que c'est que f? Un peu d'interaction. C'est quoi x, c'est quoi y? Si mon image, c'est une fonction f de x, y, que représente x et que représente y? Très bien, c'est les coordonnées 2D. Excellent. Coordonnées 2D et f, que représente f? Le pixel. Et le pixel. Oui? C'est la valeur du pixel. C'est la valeur du pixel, très bien. C'est la valeur du pixel. Et on va voir comment est obtenue cette valeur. Alors, à votre avis, la couleur, oui, la couleur, la valeur. Et à votre avis, comment on arrive à avoir cette... c'est quoi, en fait, ça représente...
représente quoi? Que représente F? C'est la valeur, c'est la couleur qu'on voit dans une image. La matrice, c'est toute l'image. Tout à fait. La matrice, c'est toute l'image. On va y arriver. Notre image, c'est une matrice. Une matrice à deux dimensions où chaque élément de notre matrice est une fonction à deux est une fonction à deux dimensions, donc f de x, y, où x et y sont les coordonnées dans notre matrice et f, c'est la fonction qui est la couleur, qui est le pixel lui-même. C'est quoi en fait? En fait, ce que c'est que f, on appelle ça l'amplitude. L'amplitude d'un signal. Vous avez déjà fait ça au lycée, l'amplitude du signal. Et en fait, c'est un signal qui nous vient de la lumière, qui nous vient des photons de la lumière. Et on va voir ça donc très rapidement. Donc, f de x, y, c'est l'amplitude de notre signal, c'est la lumière qu'on est en train de recevoir. La lumière est le reflet de cette lumière par rapport à une couleur donnée, par rapport à un matériau donné. Une fonction, donc une image, c'est une fonction bidimensionnelle. X et Y, c'est les coordonnées dans une certaine matrice. Donc, lorsque X et Y et F, donc on a dit que X et Y sont les coordonnées, et les coordonnées, nous, ce qu'on sait dans les coordonnées, c'est que les coordonnées sont généralement entières. Mais les coordonnées peuvent être réelles. Donc, lorsque les coordonnées sont réelles et la fonction f est réelle, on parle d'image analogique. Et l'image analogique, en fait, c'est les images que vous connaissez déjà. Enfin, si vous êtes assez âgé pour connaître, c'est anciennement les appareils photo où on avait un film à développer. Donc, ça, on appelait ça des images analogiques. Et en fait, pourquoi on appelait ça des images analogiques? Parce que les quantités donc de x, y, les coordonnées et la fonction, donc la lumière reçue, étaient des valeurs réelles, étaient des valeurs continues et non pas des valeurs discrètes. Mais avec l'arrivée des ordinateurs, on a voulu numériser ces photos. Et vous savez que dans un ordinateur, tout est binaire, tout est 1 et 0 et tout est entier. On n'a pas de valeurs réelles. Même si on a des valeurs réelles, on a besoin de les convertir en binaire, en 1 et 0. Et donc, c'est de là qu'est née l'image numérique. Les appareils numériques ont aussi un certain fonctionnement qui fait que les coordonnées et la fonction, l'amplitude de notre signal, soient entières. Donc, on va voir ça donc, tout de suite. Alors, donc, vous m'avez très bien dit qu'une image, c'est une matrice à deux dimensions, donc, où chaque élément, c'est un pixel. Et le pixel à l'intérieur, donc f de x, y, c'est bel et bien la couleur. Et la couleur, on aura une couleur qui est un mixte de trois couleurs, en fait. Donc du R, du V et du B. Le rouge, le vert et le bleu. Donc on aura le pixel résultant. Donc matrice, on voit bien que ceci est une matrice. Et chaque élément, si vous voyez, je ne sais pas si c'est visible dans le slide, mais ici, chaque valeur est un petit carré. Et ce petit carré, c'est ce que vous m'avez dit très bien, c'est le pixel. Donc le pixel, et à chaque pixel, on a des valeurs. Voilà. Donc ça, c'est notre image. Ensuite, on voudrait savoir. Alors, pourquoi ça ne marche pas, ça? Voilà, on voudrait savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire dans ce module. Pourquoi on fait du traitement d'image? En fait, le traitement d'image numérique, c'est quoi et qu'est-ce qu'on fait avec? Le traitement d'image. Généralement, on parle de traitement d'image lorsque, donc c'est un système avec une entrée et une sortie. Vous avez déjà fait des système mathématique ou bien système informatique, on a un input et un output, une entrée et une sortie. Lorsque l'entrée d'un système est une image et la sortie est aussi une image, on parle de traitement d'image. Par contre, lorsque l'entrée est une image et la sortie est autre qu'une image. Par exemple, vous avez une image et vous voulez détecter les visages dans cette image. Donc, l'entrée va être votre image, mais la sortie va être les positions des visages. Ou bien vous voulez faire un comptage. Vous avez une image d'un stade, par exemple, et vous avez des supporters. Et votre objectif, c'est de compter le nombre de supporters dans cette image. Donc, ce que vous allez faire, ça va être prendre l'image en entrée et sortir un chiffre. Donc, du moment qu'on est en train de sortir un chiffre et non pas une image, on parle d'analyse d'image. Donc, c'est l'idée générale.
Dans ce module, on va faire du traitement d'image. Donc, l'entrée est une image et la sortie est une image, mais aussi, on va faire aussi de l'analyse d'image où l'entrée est une image et la sortie, c'est autre qu'une image. Donc, un exemple du. Est-ce que vous avez des exemples d'un traitement d'image? Par exemple, j'ai en entrée une image et en sortie aussi une image. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples? La compression, oui, la compression, ça fait partie du traitement d'image, mais donc pour la compression, oui, donc oui, la compression, c'est un exemple de traitement d'image. La rotation, effectivement, on enlève le bruit, tout à fait, les filtres de bruit, c'est un traitement d'image, les filtres, excellent, très bien, on enlève les bruits, le filtre, la rotation, la pression, tout type de transformation d'image. On a plusieurs opérations, on enlève le bruit, on applique des filtres, on fait de la compression et on va voir ça justement au courant de ce semestre. Très bien, on a vu la différence entre traitement et analyse et on va, inshallah, faire les deux. Parfait. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais vous donner un aperçu très très rapide. Je ne sais pas, est-ce que vous avez fait l'historique du traitement d'image en cours? Est-ce que vous avez fait ça? Oui, très bien. Alors, avant que je vous donne l'historique, est-ce que vous pouvez me dire l'historique, donc comment s'est passé le traitement d'image? Qu'est-ce que vous vous rappelez? Donc, je ne vais pas vous montrer ça. Vous me dites, quelles sont les étapes pour lesquelles le traitement d'image est passé, auxquelles le traitement d'image est passé. Est-ce que vous vous rappelez? Allez, des idées. On a commencé par quoi? Par inventer quoi? Logiquement, si on veut faire du traitement d'image, la capture, bien, on commence par capturer. Donc, on a eu besoin de capteurs, n'est-ce pas? Du moment qu'on a eu besoin donc le traitement. Alors, juste remarque, donc on a parlé d'images numériques et d'images analogiques. Rappelez-moi, c'est quoi la différence entre images numériques et images analogiques? On vient de le dire. Analogique continue, excellent. Donc, analogique, c'est une image continue. Numérique, c'est une image finie. Très bien, c'est des entiers. Très bien, la fréquence, c'est une image continue. La fréquence, c'est l'image analogique. Alors, il faut savoir que dans notre cours, on fait du traitement numérique d'image. Donc, on va se restreindre sur l'image numérique. Donc, qui dit numérique? Qui dit image numérique? Qu'est-ce qu'on entend? On entend un support d'acquisition. C'est le capteur. Vous m'avez dit ça. Donc, le capteur de l'image. Et donc, le capteur doit être, si le capteur est analogique, on aura besoin d'un logiciel de numérisation pour pouvoir faire de l'analyse numérique, du traitement numérique d'image. Donc, on aura besoin d'un ordinateur. Et si l'image a directement été obtenue numériquement, on aura besoin d'un appareil photo numérique. Et ça nous ramène à cet historique. Donc, la première fois a envoyé des images numériquement, c'est la première image qui a été envoyée par câble de New York, de Londres, pardon, jusqu'à New York. Donc, vous voyez ici que à gauche, c'est la première image qui a été envoyée. Ensuite, cette image a été améliorée. Donc, ceci est la deuxième image qui a été envoyée par câble. Donc, ce qui a été fait, c'est que l'image était à Londres. Elle a été codifiée et envoyée sous forme numérique pour être reconstituée au terminal qui a reçu l'image, et donc le terminal qui était à New York. Donc, ce qui s'est arrivé, c'est que au lieu de transporter une image pendant plusieurs mois, on a pu transférer cette image au bout, si je me rappelle bien, de 3 heures. Donc, 3 heures pour transformer l'image
la transporter par câble et la reconstruire. Donc, on a commencé à faire le premier traitement d'image. Le premier traitement d'image où l'entrée était une image, on l'a transformée et on l'a reconstruite dans le canal d'arrivée. Ensuite, donc, quelques temps plus tard, on a envoyé une autre image un peu plus améliorée. Et enfin, on a rajouté les niveaux de gris pour représenter cette image, pour envoyer une meilleure image en 1922. Donc, les niveaux de gris, ça, c'est une notion très, très importante qu'on va aller voir plus en détail dans ce qui suit et dans justement les exercices. Donc, comment on définit les niveaux de gris et en fait, c'est quoi ces niveaux de gris? Que représentent les niveaux de gris? Donc, après le premier envoi, on a voulu avoir plus de moyens pour traiter l'image, pour traiter l'image numériquement. Et là, notre historique du traitement d'image va être étroitement liée au développement des ordinateurs. Et ce n'est pas la peine de rentrer dans ces détails. Donc, vous connaissez déjà l'historique des ordinateurs. Donc, ça a commencé. Donc, les ordinateurs ont bel et bien commencé des décennies, plus que des décennies, des millions d'années plus tôt avec le Abacus, donc le système de calcul qui a été utilisé en Asie et à Babylone des siècles, de longs siècles avant Jésus-Christ. Ensuite, on a l'arrivée des ordinateurs, ensuite on a l'intégration des composants de l'ordinateur, l'invention du processus et le premier ordinateur par IBM, l'ordinateur personnel qui était en 81. Donc le traitement d'image était venu un peu au milieu. Donc on va parler des années 70. Donc 64, entre 64 et 70, donc à 64, la première image qui a été prise de la Lune par la société Ranger, c'était des satellites Ranger qui ont été envoyés à la Lune et on a récupéré la première image de la Lune. Donc c'était en 64. Et en 70, et là on a eu aussi un grand pas vers le traitement d'image, c'était l'invention des scanners. Donc le scanner que j'espère que vous n'aurez pas l'occasion de le faire. Donc, c'est le scanner où on fait. Quand on est susceptible d'avoir une maladie, donc on va aller à l'hôpital ou à une clinique et faire un scanner. Donc, le scanner complet, et c'est l'imagerie, donc l'imagerie rayon X à l'intérieur d'une certaine machine. Donc, ça a été inventé en 1970. Et en fait, c'était basé sur les travaux d'un lauréat du prix Nobel qui avait inventé les rayons X et qui a eu le prix Nobel de la physique. Ensuite, en 70, on a eu donc les rayons X et pour lesquels les deux chercheurs ont eu le prix Nobel en médecine. Donc ça, très rapide. Donc en fait, le traitement d'image a les deux événements les plus marquants du traitement d'image. Ensuite, donc bien sûr, l'arrivée des appareils numériques et c'est là que tout a été changé dans le traitement d'image et ça a été beaucoup plus facile de faire du traitement d'image par rapport aux images qu'on avait eues avant avec les appareils analogiques. Donc, comment on est en train d'obtenir une image? Ça, c'est important. Pourquoi je veux parler de ça? Je veux parler de ça parce que ça sera la base de notre TD. Donc, on doit vraiment comprendre comment l'image est acquise. Pour pouvoir donc faire nos exercices, comprendre l'échantillonnage, la quantification, comment l'image est numérisée, et ensuite passer au TP qui va aussi être par rapport à l'acquisition de l'image. Donc l'acquisition numérique des images est basée sur deux concepts principaux. Donc on a parlé d'image analogique, d'image numérique. Mais en fait, la base de l'acquisition de l'image et la base de l'imagerie, le traitement d'image, c'est l'œil humain. Et on ne peut pas parler d'image sans parler de l'œil humain. C'est en fait, vous allez voir que c'est exactement la reproduction de ce que fait notre œil humain, mais avec des capacités beaucoup moindres. Car notre œil humain, et on va le voir, a des cellules, des millions de cellules qui captent la lumière et qui produisent une image, alors que dans un appareil numérique, on a un nombre limité de pixels. Alors, comment est prise l'image? En fait, l'image peut être prise de plusieurs manières.
par exemple, l'image IRM qui est prise avec des ondes, avec du sang. Donc, on fait projeter du sang sur des organes et on arrive à avoir une image IRM. Mais le plus utilisé, et ce qu'on va utiliser dans notre TD, dans notre TP, ça va être des images qui sont basées sur le spectre électromagnétique. Et en fait, le spectre électromagnétique, ce n'est pas plus que la lumière. Et la lumière, donc, la lumière est basée sur une fréquence. Et une fréquence, vous savez ce que c'est? C'est le nombre de battements par seconde. Donc, la fréquence qui est en hertz, la longueur d'onde et l'énergie propulsée par ce photon, par ce spectre de lumière. Donc, dans le spectre de la lumière, le spectre de la lumière, en fait, il nous vient du soleil, en général. C'est le soleil. Ensuite, on a reproduit ça sur des lampes, sur des capteurs, sur des flashs, etc. Donc, la première base, c'est le spectre qui vient du soleil. Et en fait, ce qui nous vient du soleil, c'est plusieurs types de radiations. Les rayons gamma, les rayons X, les ultraviolets, le spectre visible, l'infrarouge, le micro-ondes et les ondes radio. Donc, tout ça, c'est de la lumière. On reçoit de la lumière. Mais cette lumière est divisée en parties par rapport à leur fréquence. Donc, leur fréquence, plus la fréquence est grande, plus le spectre de lumière est puissant, plus il y a de l'énergie. Et on parle d'énergie photoélectrique. On parle d'électron-volts. Donc, la longueur d'onde est plus petite lorsque la fréquence est petite. Donc, on voit bien dans la fréquence, donc les ondes. Et ensuite, donc vous voyez que plus la fréquence est petite, plus la puissance est grande. Plus l'énergie transportée par la lumière est grande. Et c'est pour ça qu'on dit que les rayons X, c'est des rayons dangereux. Si on reçoit des rayons X à très forte quantité, on va modifier nos organes, on va modifier les parties de notre corps, car il y a beaucoup trop d'énergie. Et quand il y a beaucoup trop d'énergie, le choc est plus grand. Et l'énergie devient plus petite, plus on avance dans le spectre de la lumière. Donc le spectre composé plusieurs types. Donc, ça, on a parlé de spectre, on a parlé de fréquence. Fréquence petite lorsque le spectre commence des rayons gamma et ça agrandit jusqu'à arriver des ondes radio. Et c'est pour ça que pour les ondes radio, il n'y a aucun problème, vous avez des antennes radio partout. Et vous marchez dans la rue et vous n'avez rien parce que le signal qui est envoyé est faible. Il a une fréquence très faible. Alors, qu'est-ce qui arrive? La bonne chose que Dieu a fait par rapport au soleil, c'est que lorsqu'on reçoit de la lumière par le soleil, il y a des couches. Et ces couches vont empêcher certaines parties du spectre. Par exemple, les rayons gamma qui sont très, très néfastes n'arrivent pas à notre Terre. Et donc, on n'a pas ce genre de problème. Donc, les rayons X, pareil, c'est envoyé par le Soleil, mais ça n'arrive pas à la Terre à cause des couches qui entourent la Terre. Par contre, ce qu'on voit, c'est le spectre visible. Et c'est pour ça que notre œil va être sensible au spectre visible. Donc, le spectre visible qui commence du violet jusqu'au rouge. L'infrarouge, on ne peut pas le voir, et l'ultraviolet, on ne peut pas le voir. Donc, pour l'œil humain, donc, on a quelques parties de l'œil humain, notamment donc, la rétine. Et c'est là que va se passer la réception de ce spectre, de la lumière pour laquelle on est en train de reconstruire des images. Alors, donc, ce qui contrôle cette lumière, c'est bien sûr l'iris. Donc, votre iris qui devient plus grand et plus petit. Donc, ce qui se passe, c'est que l'iris s'étend et s'agrandit par rapport à la lumière. Plus la lumière est grande, votre iris va être petit pour ne permettre qu'une petite quantité de lumière de rentrer. Et lorsque il n'y a pas beaucoup de lumière, donc le soir ou la nuit, donc votre iris va s'ouvrir pour pouvoir laisser beaucoup plus de lumière rentrer dans notre œil. Et en fait, rappelez-vous bien,
C'est exactement ce qui va se passer dans notre caméra. Vous avez le shutter, vous avez celui qui va contrôler la lumière, ce qui va s'agrandir et être plus petit et plus grand selon la lumière perçue. Donc, une fois le rayon reçu par la pupille, donc ici on a des cornées, on a des pupilles, donc on a en fait des lentilles. La lentille qui va orienter la lumière pour justement qu'elle tombe exactement sur la rétine et beaucoup plus précisément sur la macule, macula ou fovea. Par la suite, on aura le nerf qui va transporter cette lumière, donc qui va transporter l'énergie reçue. Donc on a parlé de spectre et on a dit qu'il y a une énergie qui est ramenée avec les photons. Donc les photons qui sont les petites parties, les petites ondes perçues par la lumière. Enfin, pas perçues, mais envoyées par la lumière. Donc pour calculer le nombre de cette énergie, la quantité d'énergie, on va la prendre et on va la transporter avec le nerf optique qui va la donner au cerveau pour pouvoir l'analyser, pour pouvoir reconstruire l'image. Et on sait que notre œil va ramener une image à l'envers, donc il y a le cerveau qui va la remettre en place et qui va, grâce aux deux yeux, reconstruire une image 3D. Donc voilà ce qui se passe. Au niveau de la rétine, on a des filtres. On a des ROD, des cellules ROD et des cellules CoD. Les cellules ROD, c'est les cellules responsables de l'image noir et blanc. C'est l'image, enfin noir et blanc, niveau de gris. Et c'est l'image que vous voyez la nuit. Donc c'est l'image où il n'y a pas beaucoup de lumière. Vous voyez une image où on ne voit pas les couleurs. Et pourquoi on ne voit pas les couleurs? Parce que ce ne sont pas les cellules qui captent la couleur qui sont activées, mais plutôt les cellules qui captent seulement la lumière. Ce sont les cellules ROD. C'est des cellules qui sont à l'intérieur de la rétine et qui sont responsables de la prise de photo, la prise d'image par l'œil, lorsqu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc l'image en niveau de gris. Maintenant, on a l'image en couleur et là, on a des filtres. Du vert, du rouge et du bleu. Donc du vert, le vert va prendre seulement la lumière dans le vert. Donc si je reviens ici, je vais trouver que j'ai du vert ici, j'ai du bleu ici et j'ai du rouge ici. Donc ce qu'on va faire dans notre œil, on va prendre seulement la couleur bleue, donc la lumière qui a une couleur bleue. Donc les photons reçu par le spectre visible, mais on va seulement filtrer la couleur bleue. On a aussi des cellules du vert, donc la même chose, et des cellules du rouge, la même chose. Ensuite, dans notre cerveau, c'est là qu'on va constituer d'autres images. Par exemple, le marron, vous voyez bien ici que le marron n'existe pas dans le spectre visuel, mais grâce à notre cerveau, on peut reconstruire cette couleur en rajoutant des couleurs, en mélangeant les trois couleurs reçues par l'œil. Donc, si on mélange le rouge et le vert, on obtiendra le jaune. Le bleu et le rouge, on obtiendra le violet ou le magenta. Et le vert et le bleu, on obtiendra le cyan ou bien le bleu clair. En rajoutant des quantités et en diminuant des quantités, on aura d'autres couleurs. Et quand on mélangera toutes les couleurs, ça on le sait depuis le primaire, quand on rajoute toutes les couleurs du spectre visuel, on aura le blanc. Et en fait, quand on rajoute le rouge et le vert et le jaune, reçu par la lumière, on aura une lumière blanche et on recevra la couleur blanche dans l'image qu'on est en train de percevoir. Donc voilà, vous voyez que ça ressemble beaucoup au système. Donc normalement, vous avez déjà fait ça en cours, ça ressemble beaucoup à l'appareil numérique et à l'image numérique, car l'image numérique contient trois couleurs, le rouge, le vert et le bleu. Chaque pixel est représenté par trois couleurs. Et en fait, on a juste reproduit ce que fait le cerveau humain et ce que fait l'œil humain pour reconstruire, pour fabriquer un appareil numérique. Donc ceci pour l'œil. Maintenant, on va parler très rapidement de l'image analogique et pourquoi l'image analogique est continue. En fait, si je reviens sur l'image reçue par l'œil, les cellules qui reçoivent, en fait, ce qu'on est en train de recevoir, effectivement, c'est un spectre. Et pour ce spectre, on est en train de recevoir une énergie. Par exemple, si la quantité de rouge est petite, on recevra une petite énergie dans les photons reçus de la couleur rouge. Et donc, la quantité et l'énergie
C'est calculé en électrovolts, c'est calculé en volts, et c'est une valeur continue. Donc notre œil humain est en train de recevoir une valeur continue. Notre œil humain ne reçoit pas une valeur discrète à un moment donné. Même dans une milliseconde, on reçoit une longueur d'imagerie analogique. Donc l'imagerie analogique, le fonctionnement de l'imagerie analogique, c'est qu'on a du silicone. Donc, pour les appareils, si vous vous rappelez les appareils qu'on utilisait avant le numérique, on a un film que vous allez mettre dans votre appareil à photo, et ce film est constitué de silicone, donc une fine couche. C'est pour ça que vous voyez le film briller. Il y a une fine couche de silicone, et on va rajouter à ça de l'argent. De l'argent et du boron, je crois. Et ce qui se passe, donc on va calquer ça sur le film. Et ce qui se passe, donc on va construire notre film final. Et ce qui se passe, c'est qu'à la réception des photons, c'est-à-dire qu'à la réception du spectre de la lumière reflétée par les objets, ce qui va se faire, c'est qu'on va activer l'argent. Et quand on active l'argent, l'argent va libérer des électrons. Et ces électrons qui vont modifier le film. Et quand on modifiera le film, on aura donc une énergie qui a été transformée en électron. L'électron a changé la constitution du film et on a eu donc une image. Le problème ici, c'est qu'on a eu une image négative, donc c'est l'inverse de notre image, et qu'on va utiliser des processus chimiques pour pouvoir constituer une image donc de ce qu'on est réellement en train de voir. Pour l'image analogique, on a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que c'est une hard copy, c'est sur un film. Donc, ce n'est pas facile de transformer ça à l'ordinateur. Ce n'est pas facile de faire du traitement d'image. Je ne peux pas faire du traitement d'image directement sur le film. Et si je transforme ça, je vais imprimer ça. Et quand j'aurai imprimé, je reviens avoir une photo. Et donc, la reproduction de l'imagerie analogique est très difficile. Si je veux faire une copie de ceci, ça ne sera pas possible. Ça ne sera vraiment pas possible. Il faudrait qu'au moment de l'acquisition, je prenne plusieurs photos de mon cheval. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'il y a tout un processus chimique derrière la constitution de cette photo analogique. Et donc, vous voyez aussi ici qu'on a reçu une énergie. Donc, aussi, l'énergie est continue. Donc, la discrétisation, la numérisation est très difficile d'une image analogique qui a été prise par un appareil analogique. Donc, pour contrer ce problème, on a inventé l'imagerie numérique. Pour l'imagerie numérique, donc si on prend le simple exemple de votre téléphone portable a une image, a une caméra. La caméra contient lentilles, les lentilles pour focaliser la lumière, pour agrandir. Si je veux agrandir la lumière, j'aurai une autre lentille qui va être utilisée ici, ainsi de suite. Vous aurez un shutter. Ça, c'est ce qu'on a parlé, donc l'iris dans notre œil, qui va laisser une quantité grande ou petite de lumière rentrer. Et donc ici, votre shutter, dans votre téléphone portable, sa forme est définie automatiquement. Donc, votre téléphone va capter la lumière et il va se dire, OK, il y a beaucoup de lumière, je vais réduire un petit peu mon shutter ou bien je vais l'agrandir. Ça dépendra de l'algorithme qui a été implémenté dans votre téléphone. Ensuite, donc, on reçoit la lumière grâce à ces lentilles, exactement comme le humain. On a le shutter qui est notre iris et on a le capteur qui sera constitué de filtres. Donc, c'est exactement ce qui se passe avec notre œil. Donc, les filtres RGB, vous allez les avoir ici aussi. Donc, vous voyez, en fait, si vous faites l'agrandissement de votre téléphone, de l'appareil de votre téléphone, c'est exactement ce que vous allez voir. C'est des filtres, vous voyez le vert, le bleu et le rouge. Et en général, on dit que souvent, même dans notre œil humain, on a des filtres, des cellules avec un filtre vert beaucoup plus important que les filtres de couleur rouge et bleu. Donc, chaque pixel de votre appareil photo, donc chaque pixel est un capteur. Et chaque capteur contient ceci, contient une grille de rouge, de bleu et de vert qui va capter la lumière. Donc, on capte la lumière grâce à notre capteur, donc qui est le pixel,
qui est le plus petit élément qui va capter justement ce spectre, capter cette lumière, et qui va nous donner une seule couleur. Mais comment cette couleur est obtenue? En fait, pareil que l'image analogique, on va recevoir des photons. Ici, une petite lentille, une micro-lentille au niveau de chaque sous-pixel, on va dire, au niveau de chaque filtre de couleur. Et on aura ici une photodiode. Donc, les diodes, vous avez fait ça en physique, peut-être au lycée, je pense pas à l'université. Donc, les photodiodes, ça permet de faire circuler de l'énergie. Et quand on a un photon qui est reçu par ce filtre, qui est reçu par ce micro-pixel, ce sous-pixel, on aura ici de l'énergie qui est activée. Et cette énergie va justement être captée par le capteur qui est juste là, juste en bas. Donc l'énergie va activer la photodiode. La photodiode qui est constituée de silicone, de boron et de phosphore. Et donc l'énergie qui est éjectée, donc les électrons qui ont éjecté grâce à les photons, grâce à la photoénergie reçue. Donc si je reviens ici aussi dans le spectre, donc j'aurai chaque onde a une énergie qui est en électronvolt. Donc, je la reçois ici dans mon capteur. Elle va activer les molécules qui constituent notre capteur. Et la quantité d'énergie que j'aurai reçue va définir la quantité de couleur qui a été transportée par notre onde, donc par notre photon, par notre spectre. Et c'est là qu'on va justement constituer notre image. Et là, on va représenter notre image avec nos trois couleurs reçues grâce au spectre, filtrées grâce au filtre de couleur et transformées en valeur réelle. Donc ici, donc on va compter l'énergie reçue et ça va être une énergie réelle, donc des chiffres réels. Les chiffres réels, on n'a toujours pas résolu notre problème qui est l'image numérique. On veut numériser. Et c'est là qu'intervient la quantification et l'échantillonnage. Donc, si je prends une image qui a été reçue par cet appareil, par ce grand système, je vais avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Et là, chaque valeur ici, c'est une valeur continue. Et chaque ligne ici, les coordonnées dont vous m'avez parlé tout à l'heure, c'est des coordonnées réelles. Pourquoi c'est des coordonnées réelles? Parce que je ne peux pas recevoir une quantité. Je ne peux pas recevoir une seule valeur. Ici, la ligne de mon image, si je la prends, on entend mal. Alors, j'ai eu une coupure. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Est-ce oui, que madame. Vous m'entendez, s'il vous plaît? C'est bon? Très bien, très bien. Donc ici, si je prends une ligne de mon image, j'aurai les coordonnées ici de mon image qui sont continues et l'amplitude, c'est ce qu'on a parlé, c'est la quantité d'énergie reçue qui est aussi continue. Donc, ici, j'ai des valeurs continues. Donc, ce schéma que vous voyez ici, donc le point A est là, le point B est ici. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est en fait les valeurs continues de cette ligne de l'image. Alors, je ne sais pas si... Je pense que mon partage s'est arrêté. Alors, je repartage. Est-ce que vous voyez mon écran? Je pense que mon écran a été perdu. Est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Oui. Très bien, très bien. Alors, donc j'étais là et on avait dit qu'on a donc une lumière qui a été reçue par le capteur et qui est continue. Si je dessine ceci du point A vers le point B pour seulement cette ligne, j'aurai donc la valeur ici est très grande parce que j'ai reçu beaucoup d'énergie. Donc, vous voyez ici que l'amplitude est grande. L'amplitude, je reviens, c'est la quantité d'énergie. C'est l'énergie reçue par les photons et qui a activé les électrons. Donc, en fait, c'est la quantité d'électrons qui ont été libérés grâce au heating. Donc, lorsque
le heurtement, grâce au heurtement des photons sur la molécule qui a constitué notre capteur. Alors, donc ici, la quantité est très grande. Pourquoi? Parce que j'ai une lumière blanche. Et je sais que la lumière blanche, c'est le mélange des trois couleurs. Et donc, si j'ai le mélange des trois couleurs qui sont en grande quantité, j'aurai une lumière blanche. Donc, c'est ce que j'ai sur mon image ici. Donc, voici la lumière blanche, une grande quantité. Je vais dire que ça, c'est l'énergie 2,8. Ensuite, je descends vers le gris foncé. Donc, la quantité va descendre. Ensuite, j'aurai du noir. Donc, j'aurai une petite quantité ici, jusqu'au minimum. Ensuite, ça reprend un petit peu. Donc, j'ai quelques noirs ici, quelques gris un petit peu foncé. Donc, je reprends. Et ensuite, j'aurai du blanc. Donc, je reviens vers la grande quantité d'énergie. Et vous voyez bien ici que l'axe des X, c'est des réels, car je n'ai pas encore découpé. Et justement, je dois découper. Et c'est ce qu'on appelle l'échantillonnage. Donc ici, j'ai des réels. Et en longueur, donc l'axe des Y, c'est aussi des réels. Mais ça, on est en train de le faire seulement pour une ligne. Et imaginez qu'on doit faire ça pour toutes les lignes. Donc quand je dois échantillonner toutes les lignes, donc comment on échantillonne? En fait, on échantillonne en donnant un pas. Donc, je prends toute la quantité. Donc, ici, ce que vous voyez, ce petit trait bleu, c'est l'agrandissement de cette zone jaune. Donc, j'agrandis cette petite zone jaune et j'aurai ce petit spectre, ce petit, pardon, ce, cette petite, ce petit, cette petite courbe qui est donc l'énergie en fonction de la coordonnée réelle. Donc, si j'ai ça, ce que je vais faire, je vais découper à part égale. Donc, je peux avoir l'idée de me dire, OK, je prends toute mon énergie, toute l'énergie que j'ai sur mon graphe, et je vais dire que je vais avancer par pas de 5. Donc, chaque 5 points, je vais dire que ça, je vais prendre cette valeur. C'est ce qu'on a fait ici avec les petits points rouges. Donc, le point rouge. Ensuite, j'avance une certaine quantité d'énergie et je fais un autre point rouge. J'avance une certaine quantité d'énergie et je fais un autre point rouge et ainsi de suite jusqu'à arriver à la dernière valeur. Et le même avancement ici va être égal pour toute la quantité d'énergie que je suis en train d'échantillonner. Donc, échantillonner, c'est découper. Échantillonner, c'est découper l'acte. Ici, donc, ce que je vais prendre, je vais découper maintenant l'amplitude. Donc, l'amplitude, c'est l'énergie reçue, l'énergie aussi qui est réelle. Et on appelle ça la quantification. Donc, l'échantillonnage, je vais échantillonner au niveau des X et aussi des Y. Donc, ici, on prend juste l'exemple des X, donc l'axe des X, mais je peux le faire aussi pour les Y. C'est pas que je peux, mais je dois le faire aussi pour les Y, parce que même ici, en colonne, l'énergie est continue. Donc, j'échantillonne ici. J'échantillonne ici aussi et je vais j'échantillonne ici donc lorsque je prendrai des lignes verticales et ensuite lorsque j'aurai échantillonné les lignes et les colonnes pour savoir quelle quantité je suis en train de prendre, je vais faire une quantification. Et pour la quantification, je dois définir ce qu'on appelle les niveaux de gris possibles. Et les niveaux de gris possibles, ça va dépendre des nombres de bits pour lesquels je dois représenter une couleur donnée. Donc, si par exemple, j'ai 3 bits par pixel, à votre avis, combien de niveaux de gris je dois représenter? Je vais pouvoir représenter si j'ai 3 bits par couleur. Alors, je reviens. Oui, très bien, très bien. En fait, c'est 2 à la puissance. Là, voilà, vous êtes brillant, ce n'est pas la peine que j'explique plus. C'est 8. Est-ce que tout le monde a compris pourquoi 8? J'ai 3 bits, je peux représenter 2 à la puissance 3 couleurs. Très bien, très bien. Parfait. Donc, vous avez compris ça. Donc, je peux représenter 2 à la puissance 3 couleurs. Et ça, c'est au moment de la quantification. Donc, au moment de l'échantillonnage, j'échantillonne l'axe des X.
j'échantillonne l'axe des Y, donc les coordonnées Y et non pas l'amplitude. Et pour la quantification, ce que j'ai échantillonné pour chaque valeur que j'ai prise, donc si je reviens ici, j'ai mis un point rouge, donc c'est cette valeur que je vais prendre. C'est seulement cette valeur, mais cette valeur est réelle. Donc je vais aller faire des couleurs ici. Et vous voyez ici que ça a été continu, c'est toujours continu. Et là, je ne sais pas si on peut agrandir. Et là, donc, la quantité que j'avais ici, donc sur cette coordonnée, c'est une valeur réelle. Et donc, je dessine le nombre de couleurs. Donc ici, c'est alors j'ai 16 couleurs, donc j'ai représenté avec 4 bits. Donc j'ai représenté mon image avec 4 bits, et donc j'ai 16 couleurs ici. Et ce que je vais dire que ces pixels, ces coordonnées que j'ai prises, je vais leur donner la valeur 16, qui est la valeur blanche, qui est la plus grande valeur. Ensuite, je vais aller, donc je reviens ici, donc j'ai ici une modification. Donc ce que je vais faire, ce pixel, je vais lui donner du blanc. Ensuite, ce pixel qui est descendu, ça j'ai déjà donné du blanc. Donc je vais chercher la valeur la plus proche de ce pixel. Donc la valeur la plus proche, si je reviens ici, elle est là. Donc cette valeur est bien égale à 4. Et 4, c'est cette couleur. Et je vais donner cette couleur. Alors, je crois que je vais. Une petite seconde, je vais voir quelque chose. Comment je vais faire? Une seconde. Je dois régler quelque chose. Donc on continue. Est-ce qu'il y a du son? Le son est toujours là ou bien le son est parti? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Est-ce que vous voyez mon écran toujours? Je crois que c'est bloqué. C'est bloqué. Et là, je suis en train Là, c'est bon. de... C'est bon? Très bien. Oui. Très bien. Donc on continue. Donc ici, on avait notre image qui était continue et on l'a quantifiée. Donc, lorsque je connais le nombre de bits avec lesquels je vais représenter ma couleur, je peux construire donc toutes les couleurs possibles et je peux faire la quantification. Donc ici, j'ai quantifié et là, donc l'image résultante. Donc vous voyez que notre image continue avait beaucoup plus de détails. L'image quantifiée, on est en train de perdre beaucoup de données. Et là, donc, la qualité de notre image dans l'axe du temps, sur quel nombre on divisera la partie échantillon. Hein, échantillon. C'est le slide précédent. Vous voulez dire ce slide, pardon, Souaya Abdelkader. C'est ici, en bas. Très bien, très bien, très bonne question. Donc, en fait, ce qu'on a mis ici, c'est une image pseudo-analogique. En fait, ce qui se passe dans votre appareil photo, c'est que l'échantillonnage est fait
automatiquement. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, si je reviens ici, ça, c'est ma matrice. En fait, la matrice est là. Et ce que vous recevez ici, ça va être ici, ça va être les ondes, l'onde qui est continue. Donc, ce que fait votre capteur, c'est que lorsque l'onde est là, il va prendre une seule valeur de cette onde. Ça peut être au milieu, ça peut être à la fin. Ça dépendra donc du temps qu'avait pris le shutter à se fermer et la quantité, quelle quantité on a pris. Parce que lorsqu'on ferme le shutter, on prendra peut-être, je ne sais pas, une milliseconde. On va dire 10 millisecondes. Donc, dans les 10 millisecondes, on aura ici quelque chose. Des ondes qui sont un peu longues. Et votre téléphone va prendre une seule valeur. Donc en fait, il va faire l'échantillonnage directement ici. Dans notre exercice, donc pour pouvoir un peu mieux comprendre ce qui se fait, donc dans l'exer dans de, pour mieux comprendre, et dans cet exemple, et dans l'exercice qu'on va voir en TD, et dans l'exercice qu'on va voir en TP, on va supposer qu'ici, la quantité X a été continue et je vais prendre quelques valeurs de ces x qui sont continues. Donc, par exemple, là, si je vois bien ici, donc j'ai plusieurs. La quantité est variable. Donc, elle est très variable ici. Donc, ici, pour enlever cette variabilité, je vais prendre seulement quelques valeurs. Donc, j'anticipe un petit peu par rapport à votre TP. Donc, dans votre TP, vous aurez une image que vous représentez par une matrice. Et cette matrice contient des coordonnées en ligne qui sont réelles, des coordonnées en colonne qui sont réelles. Et vous devez faire un échantillonnage, c'est-à-dire prendre les lignes et les transformer en entier avec un pas. Donc, ici, si je dis que j'ai donc chaque 3 pas et demi, je vais prendre une valeur de l'amplitude. Je continue 3 pas et demi, je vais prendre une autre valeur et ainsi de suite jusqu'à prendre toutes les valeurs. Donc le pas, en fait, le pas que j'ai ici va être le pas des coordonnées de l'image qu'on va lire. Mais sachez que c'est juste ça va juste être un exercice pour lequel vous devez comprendre. Mais pour votre appareil photo, cet échantillonnage va se faire justement automatiquement. Automatiquement, donc pour chaque pixel, la quantification va prendre une seule valeur réelle. Et donc, vous aurez quelque chose qui ressemble à ça. Donc, ici, vous avez des valeurs, vous aurez ici des valeurs entières qui seront les coordonnées de votre image. Et ici, vous aurez des valeurs réelles. Et c'est qu'on va transformer pour avoir ce graphe. Est-ce que c'est plus clair, Abdelkader? Donc, l'axe des X, en fait, ça va être les coordonnées réelles. Mais en fait, ces coordonnées réelles nous viennent du temps. Car l'énergie qu'on est en train de prendre va dépendre du temps. Très bien. Parfait. Donc, très bien. Donc, on a vu l'échantillonnage, on a vu la quantification. Échantillonnage, je vais discrétiser, je vais coordonner ce que j'ai récolté, je vais le tour du nombre de bits nécessaires pour représenter notre image et qui sont justement les niveaux sur combien on sait, donc vous savez déjà qu'une image est représentée en rouge, vert et bleu. Mais chaque canal, on appelle ça des canaux, sur combien de couleurs il est représenté? Sur combien de bits et j'ai combien de couleurs? Très bien. 255 multiplié par 3. Donc, c'est quoi 255 riles?
255, c'est quoi? C'est le blanc, très bien. Alors, 2 à la puissance 8, Anfen, Sarah, est égal à 256. Ce n'est pas égal à 255. Pourquoi 255, c'est le blanc? « 256, c'est 2 à la puissance 8. » Alors, est-ce que j'ai 256 nuances de vert, de rouge et de bleu, ou bien j'ai 256? Très, très bien. Très bien. Très, très bien. Donc, combien de... Très, très bien. Excellent. Donc, j'ai 256 nuances et j'ai... Très bien, c'est ça. C'est ça. Donc j'ai de 0. 0, c'est quoi? C'est quoi le 0? C'est le Loir. Très bien. 0, c'est le Loir. Et pourquoi 0, c'est le Loir? Si je reviens à notre spectre, pourquoi le 0, c'est le Loir? L'énergie est égale à 0. Excellent. C'est ça. Très bien. Donc on a vu. Et on va voir justement pourquoi l'énergie est égale à zéro. Normalement, j'ai préparé ça quelque part. Alors, voilà, donc c'est ici. Très bien. Donc, on a compris comment on fait la quantification, on a compris comment on fait l'échantillonnage et on a compris comment on a les 256 couleurs. Donc, ici, j'ai pris 2 à la puissance 4. Donc, j'ai 2 à la puissance 4 couleurs, j'ai 16 couleurs. Et donc, j'ai 4 bits par couleur. Dans nos images, normalement, on a toujours 256 couleurs, car j'ai 8 bits. Donc, chaque couleur est codifiée sur 8. Parfait. Donc, on est arrivé à l'image numérique qui n'est autre qu'une matrice à 2 dimensions. Nous, on va prendre la convention qui est dans le langage de programmation parce que c'est plus simple pour aller du TD vers le TP. Donc, le 0, c'est en haut. Le 0, c'est en haut. Donc, la première coordonnée de notre image est ici. Donc, ça, c'est mon premier pixel, mon deuxième pixel, mon troisième pixel, et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est nos pixels. Et donc, on a une image de taille, donc de taille m fois n, mais de coordonnées de 0 jusqu'à m-1 et de 0 jusqu'à n-1. Donc, n colonnes et m lignes. Donc, on peut utiliser ça aussi avec n lignes et m colonnes. Il n'y a pas de problème. Donc, la représentation, c'est aussi donc l'énergie, l'amplitude dont on a parlé, c'est f de xy. Donc, ici, j'ai f de xy. Et ça peut être représenté aussi de forme plus simple, qui est la représentation matricielle. Donc, chaque élément prend l'indice de la ligne et de la colonne. Donc ça, c'est la convention que vous connaissez déjà en mathématiques. Donc mon image va être de taille n fois m, donc la matrice est de taille n fois m, et chaque élément aij, c'est f de i lorsque x est égal à i et y est égal à j. Alors, l'amplitude que j'ai reçue, l'énergie que j'ai reçue, en fait, elle est basée sur deux bases, sur l'illumination et sur la réflectance. L'illumination, c'est ce qu'on a reçu. Donc, quand j'ai de la lumière, en fait, nous, ce qu'on est en train de voir, on ne voit pas directement les photons de lumière. Ce n'est pas ce qu'on est en train de voir. On est en train de voir le reflet de cette lumière sur notre œil. Et l'appareil photo, pareil, il est en train de voir le reflet sur notre œil. Et ce reflet va dépendre d'une composante qui s'appelle la réflectance. La réflectance, je peux vous montrer très rapidement un tableau. Donc, le tableau que j'ai quelque part ici. Voilà. Donc, la luminance va dépendre de là où on est. Par exemple, lorsque je suis dans une journée ensoleillée, la luminance va être 90 000 lumens par mètre carré. Et en fait, le lumen, c'est ce qui calcule l'intensité de lumière. Et vous allez voir, lorsque vous achetez une lampe, vous trouvez aussi le lumen. Dans un temps nuageux comme aujourd'hui, on aura 10 000 lumens par mètre carré. À l'intérieur, donc chez vous, dans votre chambre aujourd'hui, vous avez environ 1 000 lumens par mètre carré.
Et dans la pleine lune, on aura 0,11 lumens par mètre carré. Donc, c'est ce lumen qui est la quantité d'énergie, donc la luminosité reçue, qui va être reflétée par un certain matériau et qu'on est en train de recevoir pour constituer justement la fonction d'amplitude, qui est la couleur qu'on va recevoir. Lorsque je suis sur une peinture blanche, le facteur de réflectance, c'est 0,7. Et vous savez qu'on dit qu'en été, on essaie de ne pas porter du noir. Pourquoi? Parce que le noir va absorber toute l'énergie. Donc, pourquoi il l'absorbe? Parce qu'il a un facteur de réflectance qui est petit. Vous voyez ici que le noir, j'ai un 0,04 de réflectance. Alors, la réflectance, donc ici la réflectance n'a pas de mesure, c'est un pourcentage. Alors, donc ici c'est donc pour la peinture. Donc, ce que je suis en train de recevoir, ça va être la lumière que j'ai reçue multipliée par la réflectance pour avoir notre f de x qui est là. Et c'est pour ça que 0 représente le noir. C'est soit qu'on n'a aucune lumière, donc les lumens sont, on n'a pas de lumière, soit qu'on est en train de photographier ou de prendre une photo de quelque chose qui est noir. Et vous voyez que donc y a une vidéo assez sympathique que vous pouvez trouver sur YouTube d'une personne qui a peint une chambre en noir et qui a mis une lampe et qui a allumé la lampe. Et en fait, on ne voyait que la lampe, une chambre qui est peinte tout en noir et que vous allumez quand même une lampe, vous ne verrez toujours rien, vous verrez seulement la lampe. Pourquoi? Parce que le noir absorbe toute la lumière. Et donc, c'est pour ça qu'on a des valeurs de zéro. On a la réflectance qui est égale à zéro. Donc, lorsque j'ai un matériau qui est en noir, la réflectance sera zéro. Donc, j'aurai l'énergie qui est égale à zéro. Donc, j'aurai mon pixel qui est égal à zéro. Et lorsque on n'a pas de source d'illumination, même si je suis sur un tissu blanc, j'aurai quand même un zéro parce que je n'ai pas de luminance. Et c'est pour ça qu'on a la fonction d'amplitude, c'est la multiplication entre la luminance, l'illumination et la réflectance. Donc, d'où donc la valeur, et la valeur la plus grande, bien sûr, c'est le 255, c'est le blanc. Maintenant, on va parler très rapidement de résolution spatiale et résolution temporelle. Donc, résolution spatiale, ce n'est pas la peine de rentrer dans ça, vous avez déjà fait ça. Résolution spatiale, c'est le nombre de pixels par unité de mesure. Et là, il faut faire attention, ce n'est pas la résolution. On est toujours confondu entre résolution et définition. En fait, le nombre de lignes et le nombre de colonnes d'une image, le m fois n, souvent est confondu avec la résolution. Mais la résolution, c'est le nombre de pixels par pouce. Et on mesure ça généralement, soit quand on veut scanner une image, soit quand on veut imprimer une image. Donc, quand je veux imprimer une image, je sais que je suis 12, quelque chose centimètre et 12, quelque chose centimètre. Donc, je sais que dans cette feuille A4, j'aurai peut-être 300 pixels par pouce. Donc, j'aurai une meilleure définition lors de l'impression. Par contre, la définition qui est un peu confondu téléphone à 12 mégapixels. Mais en fait, ce 12 mégapixels, c'est la définition. C'est la définition, c'est la multiplication de la définition en longueur fois la définition en largeur. Et ça nous ramène justement à la définition, c'est n fois m. La résolution au niveau de gris, on a bien dit, donc c'est le niveau de gris, le L, on appelle ça L en général, c'est donc le nombre de niveaux de gris de luminance qu'on va recevoir. Quand je représente mon image en 8 bits, vous l'avez très bien dit, je vais représenter 256 niveaux de gris. Les valeurs possibles du niveau de gris, donc ça va dépendre justement de combien de bits je représente. Donc je représente sur 8 bits, j'aurai la première couleur va être 8-0. Donc 0, 0, 0, 0, ensuite 0, 0, 0, 0. Voilà. Donc définition, résolution en niveau de gris,
si nécessaire pour représenter une couleur donnée. Résolution spatiale, c'est pixel par pouce ou bien pixel par centimètre. Et la définition, c'est la longueur fois la largeur. Voilà, je pense que c'est tous les rappels que je voulais faire. Ce qu'on aura besoin aussi durant notre TP, ça va être l'addition, la soustraction et la multiplication et la division d'image. En fait, vous savez très bien qu'une image, c'est une matrice, mais la division entre matrices, ce n'est pas possible. On multiplie par l'inverse d'une matrice. Par contre, en traitement d'image, on va parler de division pixel par pixel. Si je veux diviser la matrice A par la matrice B, je vais diviser AIJ par BIJ. Et pour tous les éléments, donc si je reviens sur ma matrice, tout ça va être divisé, chaque élément va être divisé par la multiplication. Maintenant, si je fais une addition de deux matrices, et imaginez ici que j'ai AIJ est égal à 255 et BIJ est égal à 255, quel sera le résultat à votre avis? Le résultat de l'addition de A et de B. Très bien, ça va être 255 parce que c'est le maximum que je peux avoir si je suis dans une image de 8 bits. Ça sera 255. 255 plus 255, ça va être supérieur à 255. Donc, je vais toujours revenir vers 255 et c'est ce qu'on fait en général. Pareil pour le 0, si je fais A moins B et j'aurai moins 5, quelle sera la valeur de A moins B? AIJ moins BIJ est égal à moins 5, ça va être 0. Très bien. Très bien. Donc, vous avez tous les éléments nécessaires pour faire votre premier TP, je pense. Maintenant, on va parler rapidement du TD. Pareil, je pense que vous avez très bien compris. Donc, on va aller voir rapidement notre TD. Je vais réduire ça pour pouvoir voir. Alors, soit une image au niveau de grille de définition n lignes et m colonnes. Si la quantification d'amplitude, nombre de niveaux de grille de cette image est L, quelle est la résolution en niveau de grille de cette image? Alors, dites-moi quelle est la résolution en niveau de grille de cette image. Donc, j'ai une définition. J'ai le nombre de couleurs. Quelle sera la résolution en niveau de grille? Very good. Log L. C'est exactement log L. Donc, log L, en fait, ça va être le. Ce n'est pas la. Voilà, c'est la résolution. Très bien. Très bien. Donc, résolution, je vais appeler ça R, est égal. Pourquoi log L? Est-ce que tout le monde a compris pourquoi log L? Log L en base combien? Ce n'est pas log en base de 10, n'est-ce pas? En base 2. Très bien. Très, très bien. C'est log 2 de n. Parfait. Quelle est la taille en bits de cette image? Alors, je vais mettre la taille. Quelle sera la taille en bits, s'il vous plaît? Alors, ici, on appelle ça généralement K. Quelle est la taille de cette image? Alors, M fois N fois combien? Fois 8, fois 16, fois combien? Fois K, fois L, fois K. Très bien. J'ai appelé ça K, fois K. Faites attention. Donc, ça dépend. Ce n'est pas forcément 8, ce n'est pas forcément 16, ce n'est pas forcément 4. Ça dépendra justement de la résolution en niveau de grille. Donc, si votre résolution en niveau de grille, c'est K, donc la taille de notre image est égale à M fois N fois K. Donc, la résolution, c'est combien de bits va prendre chaque image. Pardon, combien de bits va prendre chaque pixel. Parfait. Donc, on a répondu aux deux premières questions. Prochaine question. On suppose que la taille de l'image en centimètres est MC fois MC. Quelle est la résolution spatiale? Alors, résolution spatiale. J'ai la taille en pixels, j'ai les niveaux de grille, le nombre de bits, j'ai les niveaux de grille. Maintenant, je veux chercher
la résolution spatiale. Et donc, c'est le nombre de pixels par pouce. Comment je peux trouver le nombre de pixels par pouce ou le nombre de pixels par centimètre? Donc, ici, on a parlé de centimètres. La taille de notre image est en centimètres. Quelle sera la résolution spatiale de cette image? Réfléchissez un petit peu. Donc, si je reprends. Alors, donc voici mon image. Donc, ça, c'est mon image. J'ai certains pixels ici. Donc, m fois n pixels. Donc, ici, je dirais peut-être m lignes et n colonnes. Donc, les colonnes et les lignes. Très bien. Donc, maintenant, ce que je sais, c'est que la résolution spatiale, c'est le nombre de pixels par centimètre. Donc, si je sais que j'ai n en centimètres et j'ai n en centimètres. Alors, bien, Yacine, par contre, ici, ce qu'on fait en général, voilà, donc c'est ça, oui, c'est ça. Donc, j'allais vous proposer de faire en ligne et en colonne. Donc, très bien, Yacine. Donc, la résolution spatiale, c'est tout simplement, donc, résolution spatiale va être égale à MC fois NC, le tout multiplié par la taille. Le tout multiplié par la taille. Donc, j'ai la taille en centimètres et j'ai la taille en pixels. Maintenant, je veux savoir combien de centimètres j'ai par pixel. Combien de centimètres j'ai par pixel? C'est la taille en centimètres par la taille en pixels. Et ça me donne le nombre. Donc, ça, c'est le nombre. Donc, on va dire, commentaire, bon, nombre de pixels par centimètre. Alors, Madame T, c'est pas en bits. Pixel par. Non, non, l'unité de mesure T. Ah oui, T, c'est en bits, pardon. T, c'est en bits, donc ça va être. Alors, ça va être quoi du coup? Si T est en bits, donc comment je dois modifier ma formule? Mais c'est toujours le même principe, hein? C'est la taille. En centimètres divisé sur la taille en pixels. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Non, pas K. T divisé sur K. Oui, T divisé sur K. T divisé sur K, c'est égal à quoi en fait? T divisé sur K, c'est M fois N. Très bien. C'est M fois N. Parfait. Très bien. Très bien. Donc, le nombre de pixels par centimètre, donc pixels par centimètre, ou bien pixels par pouce. Généralement, vous allez toujours, mais on trouve en général pixels par pouce. Généralement, c'est la mesure qu'on va trouver. C'est ce que vous allez trouver si, par exemple, j'ouvre ici Photoshop. Bon, rassurez-vous, vous n'avez pas forcément besoin de travailler avec Photoshop. C'est juste que je l'utilise parfois pour faire mes images. Alors, si je viens ici et je vais aller sur Images et je vais aller sur Taille de mon image, Image Size, j'aurai souvent Inches, donc la hauteur, la largeur et la résolution, c'est souvent pixels par inch. Donc, dans mon image ici, j'ai 72 pixels par pouce. Et le pouce, c'est égal à combien, vous le savez? C'est égal à combien de centimètres le pouce? Vous avez déjà fait ça normalement en informatique, c'est une notion très basique. 2,56, très bien. 2,56. Donc, si je change, je fais pixels par centimètre, j'aurai 28,34. Pixels par pouce, j'aurai 72. Très bien. Parfait, exercice 1, c'est bon. Exercice 2 maintenant.
soit un signal reçu par un capteur correspondant à la fonction sinusoïdale yt est égal à sinus 2π fois f fois t. Donc f, c'est la fréquence de notre onde, n'est-ce pas? Et t, c'est le temps. Et yt, c'est notre amplitude. Donc on suppose que la fréquence du spectre reçu par chaque capteur est respectivement 10 puissance 13, 10 puissance 14 et 10 puissance 12. Pardon. Donc 10 puissance 13, 14 et 12, pourquoi j'ai eu ces valeurs? En fait, si je reviens ici sur mon spectre, je suppose que j'ai reçu quelque part une fréquence qui est quelque part ici. Donc j'ai reçu un peu de rouge, un peu de bleu, donc 10 puissance entre 10 puissance 15, 10 puissance 14 et quelque part ici, au milieu. 10 puissance 13, c'est ici. Et 10 puissance 12, c'est la limite, donc c'est le rouge. Donc on va supposer que j'ai reçu ces trois fréquences. Alors, pourquoi est-il nécessaire d'échantillonner ce signal? Dites-moi pourquoi c'est nécessaire d'échantillonner ce signal, l'échantillonnage. Donc je viens de le dire. Redites-moi juste, si vous vous rappelez, pourquoi je dois échantillonner. Donc voici le signal que je reçois, c'est un signal sinusoïdal. Donc vous savez que le signal sinusoïdal, ça va être quelque chose qui ressemble à ça. Pourquoi je dois l'échantillonner? Pourquoi je dois faire ça? Pour avoir des valeurs fines, très bien. Pour avoir des valeurs fines, parce que j'ai des valeurs pour numériser l'image, très bien. Je numérise l'image pour avoir des valeurs finies. Pour pouvoir stocker, très bien, pour pouvoir la stocker, pour pouvoir la manipuler, pour ne pas avoir une image analogique. Et on a dit que le problème de l'image analogique, quand c'est infini, je ne peux pas le mettre sur ma machine. Je ne peux pas la stocker, je ne peux pas la modifier. Je sais que dans ma machine, j'ai des capacités limitées. Très bien, donc je numérise, car donc je vais tout simplement prendre vos réponses. Et je vais dire, je réponds à cette question. Alors, pourquoi avoir des valeurs finies? Exactement. Pour numériser, pour pouvoir stocker. Très bien. Donc ça, c'est la question 1. Question 2. On veut échantillonner l'image reçue par le capteur captant ce signal pour 3 pixels. Donc ici, je ne vais pas trop vous casser la tête. Donc ça, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez l'essayer chez vous, vous pouvez essayer de générer ce signal, générer avec les 3 fréquences et avoir et échantillonner. Donc pour ça, c'était juste pour vous expliquer. Donc, on a généré le signal. Donc, pour f est égal à 10 puissance 14, f est égal à 10 puissance 13 et f est égal à 10 puissance 12. Donc, j'ai un certain signal sinusoïdal et j'ai échantillonné sur 3 pixels. Donc, j'ai calculé ici 1, 2, 3, 4 et j'ai mis le premier échantillon. 1, 2, 3, 4, deuxième échantillon. 1, 2, 3, 4, troisième échantillon. Donc voici comment j'ai fait l'échantillonnage. Donc on a le signal qui est continu, on a les coordonnées qui sont continues, et je vais pour chaque coordonnée, je vais donner une valeur. Et en fait, ce que je vais vous donner dans le TP, c'est justement quelque chose qui ressemble à ça. Donc vous aurez une matrice, vous aurez les coordonnées qui sont réelles. Je dois les échantillonner. Ici, j'ai pris la méthode du saut. Donc j'ai pris un saut de 4 éléments et j'ai échantillonné. 4 éléments et j'ai échantillonné. Et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que j'ai trois valeurs. Maintenant, pour la quantification, si je suis, donc je reviens sur mon exercice. Alors, échantillonner l'image reçue pour 3 pixels, on a échantillonné. Et donc, je vous rappelle aussi ici, donc, comme l'appareil photo, l'appareil numérique de votre téléphone va prendre directement le nombre de pixels. Donc, il va prendre des échantillons d'amplitude pour chaque pixel. Donc, si je reviens sur ma présentation,
Donc ici, pour chaque pixel de ma matrice, j'aurai une seule quantité qui est continue, qui est l'amplitude. Parfait. Maintenant, quantifier l'image pour une capacité de représentation de 2 bits. Alors, si j'ai mon échantillon, alors qu'est-ce que je vais avoir ici? Combien de couleurs je vais échantillonner ici? J'ai 2 bits. Combien de couleurs j'aurai? 4 couleurs, très bien. Donc, 4 couleurs. Alors, je vais prendre ça. Et je vais copier ça. Et vous allez me dire où est-ce que je dois mettre ces valeurs. On va changer pour changer, pour différencier entre l'échantillonnage et la quantification. On va mettre en bleu. Non, en vert. Et le contour en vert aussi. Parfait. Alors, donc, vous savez que je dois mettre, donc j'ai 4 couleurs, donc je dois mettre 4 éléments ici. Où est-ce que je vais mettre la première valeur? À 0, je vais mettre à 0. Deuxième valeur, je dois positionner 4 valeurs, n'est-ce pas? Deuxième valeur, à 4, où est-ce que je vais mettre? À 1, ok, je mets à 1, il me reste 2 valeurs. J'ai mis à 0, donc voici le premier, ça c'est 0, n'est-ce pas? Ça c'est l'amplitude qui est égale à 0, donc j'ai mis 0, voici mon 0. J'ai mis, vous m'avez dit à 1, voici le 1. Ensuite, il me reste 2 valeurs, n'est-ce pas? J'ai 4 niveaux de gris. Il me reste 2 valeurs. Je vais les poser quelque part. En attendant que vous me disiez où est-ce que je peux les mettre. Et vous savez que je dois avoir des quantités égales, 0,25 et 0,5. Alors 0,25, c'est ici, et 0,5, c'est là. Ok, j'ai quantifié. Est-ce que c'est ok? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette quantification? Moi, très bien. Je reviens. On a négligé. Si je fais cette quantification, j'aurais négligé les valeurs négatives. Et je sais que je peux avoir des valeurs négatives. Alors, 1, 3,2. 1, 3,2. Alors, j'aurai 3 ici et 3, je n'ai pas de 3, Abdelkader. Alors, votre camarade me dit moins 0,2. Ensuite, j'aurai 0. Ensuite, j'aurai quelque chose. Ensuite, j'aurai 1. Donc, si je fais ça, donc pour quantifier, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la plus grande valeur. Je vais déposer. Et je vais essayer de découper à part égale. Donc, si j'ai ici deux éléments. Donc, je vais mettre mon premier, ma première quantité ici, ma deuxième quantité ici, ma troisième sur 0,4 et ma quatrième sur 0,8. Je ne peux pas mettre en 0,1. Si je mets en 0,1, je dois déplacer ça ici. Et avoir toujours les mêmes quantités. Donc, je ne mettrai pas sur 0, je ne mettrai pas ça. Je suis libre de mettre là où je veux. Mais je dois quand même avoir l'espacement égal. Ça, c'est très, très important. L'espacement doit être égal. Donc, je vais mettre sur 0,8. Si je choisis ça, je vais mettre sur 0,4. Je vais mettre sur 0 et je vais mettre sur moins 0,2. Et là, j'aurai mes valeurs. Là, là, là et là. Et donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai le premier pixel aura, donc si je dépose, vous m'avez dit, donc vous m'avez dit entre 0 et 0,4 et 0 et 0,2. Je peux faire ça aussi.
entre 0 et 0, entre 0 et 0, 4. Donc, moins 0, 2, 0, 0, 2 et 4. Et, mais ce n'est pas bon. Moi, ce n'est pas bon ici parce que j'aurais perdu beaucoup de choses. J'aurais perdu beaucoup de signal. Donc, ce que je fais en général, je vais prendre la valeur minimale, la valeur maximale et essayer de me positionner dessus. Donc, en fait, je devrais prendre la valeur maximale, la valeur minimale et essayer de déposer à part égale. Donc, j'aurai quelque chose qui ressemble à ça. D'accord? Madame, Oui. j'ai pas compris, il faut que les distances soient égales, c'est ça? Les distances, c'est important. Les distances doivent être égales ici. D'accord? Mais madame, la distance entre 0 et moins 0 et moins 0,2 et la distance entre 0 et 0,6, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que oui, c'est pas la même chose. Oui. Non, non, alors ici c'est je me suis trompée, hein. Je me suis trompée. Ici c'est 0,2. Je me suis trompée dans le graphe. Ah, Vous avez d'accord. raison. Vous avez raison. Donc ici, je me suis juste trompée dans le graphe. Donc ici, c'est moins 0,2. Tout à fait, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Donc je vais modifier ça avant de vous envoyer. Donc tout à fait. Donc ici, j'aurai 0, moins 0,2, moins 0,4. Et là, dans ce cas-là, alors je peux modifier ça rapidement. Alors ici, c'est bien évidemment moins 0,2 et non pas. Donc je me suis juste trompée entre 0,2 et 0,4. Donc moins 0,2 et moins 0,4. Je dois modifier ça même dans mon graphe que j'ai généré. Ma graphe, ça c'est juste pour. Voilà. Très bien. Merci pour cette remarque, Amayas. Bon, j'avais quelque part ça. Très bien. Bon, l'image était plus grande, je crois. C'était ça. Oh, je me rappelle plus comment était l'image. Bref, c'est juste à titre représentatif. Donc voilà, les quantités doivent être égales. Et donc là, on est bon. Donc on est à 0, moins 0,4, 0, 0,4, 0,4, moins 0,4, 0,4 et 0,8. Donc, si je veux prendre un 1, je devrais aussi donc mettre les quantifier de telle sorte à avoir des parts égales. Très bien. Donc, maintenant, on va insérer les couleurs. Est-ce que je peux insérer ça ici? Alors, la première couleur va prendre quelle valeur? En binaire, s'il vous plaît. Donc, on a bien dit que j'ai quatre couleurs. Première valeur, première couleur. Ah, très bien, très bien. Ensuite, deuxième valeur. Un zéro, parfait. Troisième valeur. Zéro, un, excellent. Quatrième valeur. Zéro, zéro, très bien. Donc ici, la plus petite valeur, donc le pixel 3, va prendre la valeur zéro. Et ici, pareil. Donc, lorsque j'aurai fait la quantification, ce que je vais faire, je vais toujours rapprocher donc la valeur. Donc, ici, il y a plusieurs méthodes. Donc, il y a. Alors, est-ce que je peux faire ça? Ça, je ramène. Donc, ici, il y a plusieurs valeurs. Il y a plusieurs possibilités. Soit je prends la moyenne de mon signal. Je prends la moyenne et je vais la rapprocher. Soit je prends la valeur exacte à ce point et je vais voir est-ce qu'elle est plus proche
de 0,2 ou bien de 0,4. Si elle est plus proche de 0, de 0,2 ou bien de 0,4, la valeur la plus proche, je vais affecter ce pixel à cette couleur. Est-ce qu'on va prendre plus de temps? Non, il reste juste un exercice. Ensuite, je vous donne juste les consignes du TP. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à faire maintenant? Vous avez un autre cours? Système? À quelle heure? À 10h30 ou bien à 11h? Ok, donc on essaie d'avancer au maximum, juste pour ne pas vous bloquer par rapport au TP, et on va essayer de continuer le dernier exercice. En fait, le dernier exercice du TD, je peux même vous le laisser à faire chez vous parce que c'est très simple, et on va juste le corriger ensemble. Donc, quantification, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la quantification? Donc, je vous ai dit, pour la quantification, je vais soit prendre la valeur la plus proche et lui affecter à la couleur que j'ai définie, soit prendre la moyenne. Et parfois, prendre la moyenne, ce n'est pas possible parce que j'aurai justement des valeurs continues ici dans l'axe des... Donc, je vais juste prendre la valeur la plus proche. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce que c'était la dernière question de l'exercice? Je pense que c'était la dernière question. Capacité de 2 bits, c'est bon. Donc, je vais voir. Donc, voici notre image résultante. Donc, si j'ai ce signal, j'aurai une image résultante qui ressemble à ceci. Donc, j'aurai donc la couleur. Donc, le premier pixel aura la couleur 1, 1. Échantillonnage, mais l'image ne sera pas claire avec cet échantillonnage. Oui, c'est clair. Oui, c'est clair, c'est clair. C'est ce qu'on a dit, si vous vous rappelez, si je reviens sur ma présentation, regardez combien de pertes j'ai lorsque je quantifie avec 4 bits. Donc, j'ai pris une image, j'ai quantifié avec 4 bits et regardez la perte que j'ai. Et sachez que on aura toujours une perte d'information, quel que soit le facteur de quantification, quel que soit le facteur d'échantillonnage, quel que soit le nombre de bits, j'aurai toujours une perte parce que le continu est toujours plus précis que le discret. Quand je numérise, j'ai toujours une perte. Et donc, j'essaie un petit peu de diminuer la perte en faisant quoi? Comment je peux essayer de diminuer la perte que j'ai dans l'échantillonnage et la quantification, à votre avis? Comment je peux minimiser cette perte? Comment je fais pour avoir une image la plus claire possible et la plus fidèle à ce que je suis en train de voir avec mes yeux? Très bien, en ajoutant plus de détails à l'échantillonnage, par exemple. Donc, première possibilité, c'est que dans l'échantillonnage, je vais prendre beaucoup plus de valeurs. C'est-à-dire qu'ici, j'ai pris seulement 3 pixels, je prends 10 pixels. J'aurai plus de détails dans l'échantillonnage. Et ça, justement, c'est pour ça qu'un téléphone portable à 12 mégapixels est plus précis, l'image est plus nette qu'un appareil photo à 8 mégapixels. Là, chaque pixel va prendre un échantillon. Donc, plus le nombre de pixels, pixels dans la résolution, comme on appelle ça dans les téléphones, quand vous achetez un téléphone, la résolution du téléphone lorsqu'elle est grande, j'aurai une image plus nette. Et là, on voit très bien pourquoi l'image est plus nette. Maintenant, est-ce que je peux faire quelque chose aussi par rapport à la quantification? Est-ce que la quantification affecte mon image finale? Et qu'est-ce que je peux faire comme solution? Quel est le facteur que je dois manipuler? Le nombre de bits, très bien, c'est le nombre de bits. C'est seulement le nombre de bits pour la quantification. Plus le nombre de bits est grand, plus l'image sera, plus l'image prendra plus de détails. Et c'est pour ça que dans certains appareils photo, on ne va plus parler de 8 bits, on ne va plus parler de 24 bits. 24 bits, c'est 8 fois 3. Vu que j'ai 8 bits pour le rouge, 8 bits pour le vert, 8 bits pour le bleu,
j'ai parfois 24 bits seulement pour un canal. Et j'aurai des résolutions extrêmement, extrêmement importantes. Et donc, j'aurai des détails extrêmement plus importants. Et justement, c'est ce qu'on va utiliser dans les images satellitaires. Les images Google Earth, les caméras qu'on est en train d'utiliser dans les satellites, c'est des images multispectrales où on a plusieurs spectres et où on augmente les facteurs de quantification et les facteurs d'échantillonnage. Très bien. Donc ça, c'est bon. Alors ici, notre image n'est pas nette. Elle n'a que quatre couleurs et elle n'a que 3 pixels. Donc voici notre image résultante. Donc j'ai du blanc, ensuite j'ai 1,0 et ensuite j'ai 0,0 par rapport à ce que je vous ai préparé. Donc, et ici, vous pouvez avoir donc une autre représentation par rapport à cette quantification. Très bien. Donc pour l'exercice 3, donc c'est très simple, je vais vous le laisser à faire. Et on va voir, soit vous l'envoyez, soit. En fait, je ne préfère pas pour cette semaine parce que vous avez déjà le travail de quantification de TP que vous devez rendre. Donc, vous pouvez le faire. Donc, celui qui résout l'exercice 3 et veut avoir mon avis, vous pouvez toujours envoyer la solution. Donc, ici, on suppose que la palette de couleurs, donc la palette de couleurs, c'est quoi? C'est ce qu'on a ici. Donc, lorsque je vous donne le nombre de bits, vous pouvez constituer une palette de couleurs. Donc, ici, je vais supposer que la palette de couleurs pour représenter une image donnée et quatre couleurs, donc rouge, vert, bleu et jaune. Combien de bits sont nécessaires pour représenter les pixels de cette image? Donc ici, on va se restreindre à un canal. Donc on va dire que seulement un canal, donc seulement 4 bits, peuvent représenter le rouge, le vert, le bleu et le jaune. Donc je ne vais pas prendre 3 canaux, hein. Donc c'est juste un seul canal. Donc j'aurais besoin de savoir combien de bits seront nécessaires pour représenter les pixels de cette image? Donc ici, je ne vais pas mettre les couleurs, comme ça, vous n'allez pas être confondu. Donc je vais mettre noir, gris foncé, gris clair et blanc. Donc ici, la palette de niveau de gris. Et là, combien de bits sont nécessaires pour représenter les pixels de cette image? Ça, vous savez le faire. Donnez la codification en binaire de chacune des quatre valeurs. Ça, c'est très facile. Maintenant, en utilisant le même nombre de bits calculés précédemment pour représenter les couleurs, pour représenter les niveaux de gris. Est-il possible de rajouter d'autres niveaux et si, à la palette? Si oui, combien de couleurs peut-on rajouter? Et on suppose maintenant que le nombre de canaux de cette image est maintenant de 3. Ainsi, chaque pixel de l'image est représenté par 24 bits. 24 bits, on a bien dit que le rouge, le vert et le bleu, chacun sur 8 bits. Donnez la taille de l'image dans chacun des cas suivants. Donc, c'est de très simples calculs. Donc, ça, vous pouvez le faire chez vous. Parfait. Alors, par rapport au TP, donc je vais juste vous donner quelques explications du TP et on va essayer de voir ça. La séance prochaine, voir ce que vous avez fait. Et on va donc entamer les prochains TP. La séance le jeudi à 11h. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Ah oui, une image pseudo-analogique. Je dis bien pseudo-analogique, c'est juste pour les besoins de ce TD, c'est juste pour les besoins de ce TP. On aura des coordonnées réelles et des amplitudes réelles. Donc on va transformer d'abord les coordonnées en entier, les coordonnées qui sont réelles, avec un saut de pas. Donc c'est exactement ce qu'on a fait en TD. Ensuite, on va transformer les amplitudes en entier. L'image pseudo-analogique est contenue dans le fichier de données à loader. Donc ici, on va importer les librairies nécessaires. Donc on aura besoin de NumPy et d'OpenCV. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec Python. Donc pour Python, ce qu'on va utiliser, ça va être pour l'environnement de travail, on va utiliser Anaconda. Vous pouvez utiliser soit télécharger Anaconda chez vous, soit télécharger Anaconda chez vous. Soit directement utiliser Python sans vous encombrer avec Anaconda, notamment pour les utilisateurs de Linux.
pour les utilisateurs de Windows, moi je préfère travailler avec Anaconda pour gérer les environnements de travail. Donc vous devez aller, vous devez utiliser OpenCV. Donc on va essayer d'utiliser OpenCV pour ce, tout au long de ce TP. Et on va utiliser Matplotlib pour essayer d'afficher les graphes. Je vais vous donner trois fichiers, les lignes qui sont réelles, les colonnes qui sont réelles et l'amplitude qui est une matrice de réel. Vous allez loader vos fichiers et vous allez faire l'échantillonnage avec un pas de 5. Donc, j'ai préféré choisir le pas pour l'échantillonnage. Ensuite, la quantification, vous allez essayer de quantifier avec un nombre de bits qui est égal à 4. Donc, L, ça, on a déjà vu. Donc, L, c'est les niveaux de gris, c'est 2 à la puissance de nombre de bits. Et ensuite, vous allez afficher l'image résultante et la sauvegarder. On verra dans le prochain TP comment vous avez... comment vous avez donc générer l'image résultante, qui est l'image, le résultat de la quantification de l'échantillonnage. Et ensuite, on va faire quelques opérations de manipulation, notamment le négatif d'une image, l'addition, la soustraction, la division de plusieurs images. Donc ça aussi, vous devez l'implémenter. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, avant qu'on termine notre séance? Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Pas de questions? Est-ce que c'est clair? Quel est le TP qu'on doit faire pour cette semaine? Alors, pour cette semaine, vous devez faire l'échantillonnage et la quantification. Je vous envoie ce TP. Ça, c'est obligatoire à faire. Échantillonnage et quantification que vous devez remettre. Alors, où est-ce que j'ai mis la date? Le vendredi à 19h, le vendredi pour que je puisse voir ça, le vendredi soir et le samedi, et pour qu'on puisse corriger le dimanche. Alors, ce n'est pas en binôme, c'est en groupe. C'est en groupe. Je préfère que ça soit en groupe. Le prochain TP sera, oui, tout à fait, prochain TP en présentiel. Le prochain TP, ça va être en présentiel. Prochain TP, pour ce TP, vous allez... Alors, je préfère que vous fassiez tout le TP parce que c'est vraiment très simple. La deuxième partie est très, très facile. Donc, l'addition des images, le négatif des images, ça, vous pouvez le faire très facilement. La lecture d'images, ça aussi, vous pouvez le faire. Donc, vous aurez, vous devez envoyer votre TP. Et je préfère que ça soit des groupes de 4 parce que durant ce semestre, vous aurez des TP quand même assez robustes. Vous voyez que le traitement d'image. Est un domaine très, très robuste et aussi très passionnant pour que c'est un domaine extrêmement important, on va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok, c'est pas, il n'y a pas de problème. Attendez, je sais que j'ai des problèmes de connexion. C'est bon, vous m'entendez? Oui, non? Très bien. Parfait. Donc je disais que, bon, libre à vous, je ne vais pas vous restreindre par rapport à ça. Je sais qu'il y a des personnes qui veulent travailler seules. Donc vous aurez des groupes de 1 à 4. Vous voulez faire monôme, vous faites en monôme
et jusqu'à 4, vous pouvez avoir des groupes de 1 jusqu'à 4. Voilà. Et vous devez donc. Vous allez faire, du coup, vous allez. TP. Donc, 2 TP, c'est juste l'image, les opérations. Oh, c'est bon, sur le TP, ça va, tout va bien? Parfait, je vous remercie. Je vous remercie et on se donne rendez-vous jeudi, Inch'Allah, à 11h, je pense. Je pense que ça va être à 11h parce que j'aurai des TP la matinée. Donc je vous vois, Inch'Allah, à 11h. En fait, en tout cas, je vais confirmer avec votre délégué. Donc, je vais envoyer à votre délégué le TP. Et le TD, donc vous pouvez vous servir du TP et du TD pour comprendre et pour entamer votre TP. Et donc ça sera à votre délégué de vous de vous transmettre les documents. Juste une question s'il vous plaît, comment vous êtes en train de partager la documentation? Est-ce que c'est une page Facebook? Est-ce que c'est un groupe? Est-ce que c'est quoi? Sur Drive. Très bien, très bien. Et par rapport au cours, est-ce que vous enregistrez? Est-ce que vous partagez les vidéos? Oui, YouTube. Très bien. Très bien. Donc, parfait. Alors, je voudrais bien. Est-ce que c'est une chaîne? Est-ce que c'est une chaîne YouTube ou est-ce que c'est des. Facebook Discord, ok. Très bien. Très bien. C'est quoi le nom de la chaîne, s'il vous plaît? J'aimerais bien voir juste pour voir ce que vous êtes, juste pour ne pas dépasser votre